Bienvenue. Dans ce tutoriel, nous vous expliquons comment utiliser les principales fonctions de notre site web afin de vous aider à mieux connaître et programmer votre séjour sur la Costa del Sol occidentale. La partie supérieure de la page d'accueil permet d'accéder à 6 rubriques contenant des renseignements spécifiques sur les monuments, l'hébergement, la restauration, l'offre de loisirs, les salles de congrès et autres services, avec des liens rapides sur chacune d'entre elles vers d'autres sections également reliées entre elles. Sur le côté droit de la page d'accueil, on trouve 3 grandes sections offrant divers renseignements, dont une destinée aux événements qui se dérouleront prochainement. En bas de la page, vous trouverez des liens vers l'information graphique et audiovisuelle de la rubrique « Découvrir la Costa del Sol ». Sur la frange située au centre de la page, sur la ligne du littoral, vous trouverez des liens vers chacune des 8 communes ainsi que vers les rubriques les plus consultées. Pour les personnes se déplaçant avec leur smartphone, sachez qu'il existe une version permettant de visualiser toutes ces informations sur ces modernes téléphones portables. En s'inscrivant sur notre plateforme, c'est-à-dire en créant un compte utilisateur, vous aurez la possibilité de sauvegarder toutes les informations qui vous intéressent en les stockant dans le fichier favori. Ceci vous permettra d'y accéder lors de vos prochaines visites. Pour créer ce fichier, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le cercle situé sur chacune des fiches de renseignement, quel que soit leur type. Espaces culturels, parcours de golf, centres commerciaux, plages, services, etc. En cliquant dessus, l'information sera automatiquement ajoutée à votre fichier. En cliquant sur le bouton « Favoris » dans la section « Programmer votre voyage », vous accéderez au fichier contenant les informations sélectionnées. Une fois dans ce fichier, vous pourrez éliminer des informations en cliquant sur le cercle indiqué, les imprimer, ou encore, tel que nous le disions précédemment, les sauvegarder dans votre compte utilisateur pour les consulter lors de vos prochaines visites. L'une des particularités de ce site est sa vaste base de données. Grâce au moteur de recherche, vous pourrez trouver des renseignements détaillés sur tout type de service. Si vous souhaitez, par exemple, trouver un hôtel, cliquez sur le bouton « Où dormir », puis sur le lien rapide « Hébergement ». Nous allons rechercher l'hôtel El Fuerte Miramar Spa. En écrivant le mot « Fuerte » dans le moteur de recherche, vous obtiendrez un lien qui vous dirigera vers la fiche de renseignement de l'établissement. Cette fiche contient une option très utile et pratique, la centrale de réservation. Elle vous permet de consulter en ligne les tarifs et la disponibilité de l'hôtel sélectionné et de faire vos réservations de manière simple et commode grâce au système de commerce électronique. Sur la fiche de renseignement de l'hôtel, l'outil Street View de Google Maps vous offre la possibilité de voir des photos des environs de l'hôtel. Pour ce faire, cliquez-glissez sur l'icône Street View, petit bonhomme jaune, jusqu'au fanion indiquant l'emplacement de l'hôtel. Le bouton « Icône » permet de sélectionner les services qui vous intéressent et de les localiser sur le plan. Lorsque vous passez la souris sur les icônes du plan, le nom de l'établissement sélectionné s'affiche à l'écran. Pour obtenir les détails correspondant à chacun de ces services, il vous suffit de cliquer dessus. Une bulle s'ouvrira contenant tous les renseignements s'y rapportant. Nous vous rappelons que chaque fiche de renseignement qui s'affiche à l'écran peut être ajoutée à vos favoris. Vous pouvez également les partager avec vos amis grâce au lien vers Facebook, votre boîte mail, Twitter et vers les presque 350 réseaux sociaux les plus importants d'Internet. Le bouton « Comment s'y rendre » vous permet de calculer et de tracer un itinéraire depuis une ville de départ. La section « Événements de la Costa del Sol » vous renseigne sur les principaux événements festifs, culturels et sportifs qui auront lieu prochainement dans la région. Ils sont classés par ordre chronologique. En cliquant sur « En savoir plus », vous pourrez voir dans la partie centrale de l'écran les informations existantes s'y rapportant que vous pourrez également inclure à vos favoris. La section « Découvrir la Costa del Sol » apparaît sur tous les écrans avec un lien vers la galerie d'images. Vous pourrez y contempler des photos des plus beaux coins de la Costa del Sol, regroupées par thème. La section « Galerie d'images » apparaît également au bas de la page d'accueil, dans un cadre à part. La chaîne vidéo
vous offre la possibilité de voir en détail les principaux sites d'intérêt touristique de la Costa del Sol occidentale grâce à d'intéressantes vidéos thématiques. Il existe également un lien vers cette chaîne sur la page d'accueil. Que ce soit à travers la rubrique « Découvrir la Costa del Sol » ou directement depuis la page principale, vous avez la possibilité de télécharger un guide touristique complet sur la Costa del Sol, incluant des informations très variées sur le site réseau de services offerts. De même, vous pourrez accéder aux guides spécifiques édités par chacune des 8 communes. Présentées de manière indépendante, elles contiennent des informations concrètes sur les offres de loisirs et de divertissement des différentes communes. Dans chacune des rubriques consacrées à ces communes, vous trouverez des boutons vous permettant d'accéder aussi bien au plan de leur centre-ville qu'à des guides incluant des détails sur leurs musées, leur patrimoine, leurs sentiers de randonnée, leur gastronomie, etc. Vous disposez également de l'option « Éditeur de brochures » pour concevoir, sauvegarder et imprimer votre propre guide touristique grâce aux favoris que vous aurez enregistrés durant votre visite sur notre site. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur les différentes images et de les glisser dans les cadres en choisissant la composition qui vous convient. En cliquant sur « Télécharger », vous créerez un fichier PDF contenant les informations sélectionnées. Voilà, il ne vous reste plus qu'à surfer, alors à vous de jouer !